Voilà, bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle capsule Vitamine, source de vie. Aujourd'hui, j'aimerais rapporter les paroles de l'apôtre Jean qui, dans sa première lettre, chapitre 1, verset 7, dit ceci, déclare ceci, « Marchons dans la lumière ». Et c'est vrai que le désir du Seigneur, c'est que nous marchions dans la lumière comme lui-même est lumière. La parole de Dieu nous y invite à maintes reprises. Nous sommes nous-mêmes appelés à vivre cette expérience-là de marcher dans la lumière de Christ. Plus nous nous approchons du Seigneur, plus nous sommes à même de marcher dans la lumière de Christ. Et celle-ci nous éclaire, celle-ci nous indique un chemin à suivre. Mais j'aimerais aussi enlever une idée fausse qui circule parfois dans nos milieux, à savoir que plus nous nous approchons de celui qui est la lumière, plus nous sommes éclairés du Seigneur, et moins nous serons en proie à des difficultés, à des souffrances, à des défis. Mais c'est faux. Au contraire, même, je dirais. C'est tout l'inverse. Et tout cela est bien normal. La réalité, c'est que lorsque la lumière paraît, c'est à ce moment-là aussi que paraissent les ombres. Je n'ai jamais vu d'ombre marquée au sol un jour où il y a une couverture nuageuse abondante, où tout est gris ou sombre. Non, la lumière vient lorsque le soleil jaillit et transperce les nuages, et à partir de là, les ombres sont portées au sol, et c'est une réalité. Dites-vous bien que le diable a horreur de la lumière. Il est comme les cafards. Il a horreur de la lumière. Tout ce que Dieu peut mettre en lumière, en évidence, lui fait horreur. Dès lors que nous voulons marcher en sainteté de vie dans la lumière de Christ, l'adversaire s'opposera à nous. Et j'aimerais que vous puissiez réaliser qu'il n'y a rien de plus juste que de dire que dès lors que nous voulons marcher dans la lumière, comme Jean nous y invite, à partir de là, c'est là, à ces moments précis, que les ombres vont être les plus tenaces et les plus précises autour de nous. C'est à ces moments précis où l'adversaire va redoubler d'efforts pour nous faire quitter cette zone éclairée de la lumière de Christ. C'est à partir de ce moment-là que l'adversaire voudra s'opposer à nous. C'est à partir de là aussi que la lumière, eh bien, va mettre en évidence en nous, par le Saint-Esprit, des zones d'ombre, des zones qui jusqu'alors passaient peut-être inaperçues à notre conscience, qui maintenant sont révélées par le Saint-Esprit. N'ayez pas peur qu'en vous approchant de la source de la lumière de la vie, vous puissiez aussi reconnaître autour de vous quelques zones d'ombre. C'est normal, c'est la réalité de ce qui se produit. Alors, ce matin, j'aimerais simplement vous inviter à dire « Seigneur, je te prie, aide-moi à comprendre que l'épaisseur de ces ombres ne doit pas me décourager aucunement de m'approcher de toi. » Tu es la lumière de ma vie et au contraire, je désire, Seigneur, que tu m'aides avec la force que tu me donnes, avec le courage et l'autorité que j'ai en toi, à éradiquer ces zones d'ombre de ma vie. C'est toi seul qui peux faire ce miracle et je m'attends à toi dans cette journée. Que le Seigneur soit béni. À très bientôt.